Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode et la baronesse, la bonne baronessa Constanza Zianzi et Sir Gaming L'île Lanton a été ont trouvé un colonisée par un accord autre joueur. et il s'est installé. Oui. Alors je me suis fait tuer par le gars dans cette île là-haut sur laquelle j'avais mis pied et du coup elle s'est installée sans souci. D'accord. Est-ce que les premiers trucs de verre sont arrivés? Non, pas encore. Est-ce qu'on peut enfin acheter notre autre boulanger? Oui, parfait. Une dernière gorgée pour la route? Oh, ça ira. Ah mince, j'apportais déjà des outils. Ah, c'est les révoltes, ça. Éteignez-moi la taverne, je vous prie. Combien de temps ils vont se révolter encore? Ah, ils l'ont plus, le malus. Le Révolte. peuple Ouais. se livre à de violentes émeutes dans la rue. Mais non, c'est fini. Il reste 45 secondes. Ça va aller. Mais du coup, il me faut des charpentiers partout. Ça, c'est un charpentier. A pas le bon rayon, malheureusement. Il y en a un autre là de charpentier, je sais plus où. Ouais, ça c'est un charpentier. Et on a un charpentier là. Ouais, très bien. On couvre bien la ville en charpentier. On va faire de nouveaux quartiers entiers. Ouais, faut qu'ils arrêtent de cramer les maisons aussi quand même. On va significativement augmenter. Eh Le nombre bien, de maisons. montrez-moi donc le respect qui m'est dû. Elle me saoule, elle. Ça fait Je suis cher. flattée par votre attention. Ah, va falloir que je trouve un moyen de me débrouiller. Sans elle. On a les J'ai pompiers qui courent. apporté votre livraison. Faut qu'ils arrêtent maintenant, c'est fini la révolte. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Ouais, c'est fini. Repartez donc. Rentrez chez vous. L'église la plus proche, elle est là. De ce côté-là, c'est bien éteint. Citoyens veulent du poisson et du cidre. Le cidre, il n'y en a pas suffisamment. Donc on va en faire. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Bah, c'est très bien pour m'aider, ça. L'ami. Voilà, allons-y à fond. Hop, on a rajouté deux trucs de C, donc on peut fortement monter nos citoyens. Votre contribution sera utilisée à bon escient, je le jure. D'abord, Dame Fortune me fait faux bond, puis Dame Malchance vient me rendre visite. Ouais, vous pouvez pas tous exiger de l'argent de moi, voyez-vous. Ou alors au bout d'un moment, ça passe plus. Là, on a de quoi faire plein de bâtiments si on veut.
Alors on a l'église là, ne l'oublions pas. On va laisser la place pour un bâtiment public. Ou alors on fait ça. Il y a déjà une place pour un bâtiment public grand là. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. C'est pas trop mal. Ça me convient très bien. On va gagner quasiment 400 paysans. De ce côté-là, tout le monde est satisfait. Sauf en tapis, mais les tapis, il n'y a qu'une chaîne de Une production. juste transaction. On me vend du quartz, donc j'ai pas besoin de le produire moi-même pour l'instant. Je me fiche bien de ce que vous. Ce navire n'est. J'ai équipé la cabine du capitaine avec un certain confort. Il rentre chez lui avec ses trébuchets. Parce qu'ils ont signé la paix, non? Bienvenue. Et que peut faire Sir Ah, il a signé la Kevin paix pour avec J'adore Giovanni, tellement Giovanni di discuter Mercante. avec quelqu'un qui est mon égal. Un coup de signe. Ah mince. Ce doit être extrêmement urgent. J'ai dit Quittez qu'elle avait un coup de immédiatement mes signe et ça l'a terres. vexée. Si je peux vous aider de quelque manière que. Elle est trop susceptible. C'est un compliment. Alors, on doit plus avoir de charpentier dans cette zone-là. Donc, on va en refaire un. Alors, où est le dernier charpentier? Là. Du coup, toutes ces maisons-là sont découvertes. Là, c'est presque bon. Alors, on va être content d'avoir laissé juste une maison de paysan. Du coup, je peux me permettre de remplacer. Ah, mais après, j'ai peur que toutes les maisons que je vais faire de l'autre côté de la route. Deux joueurs ont conclu un accord de Oh paix. non! Faut pas faire la paix! Oh, bah c'est bon, là j'ai tout le rayon. Hop. Et en fait, ça fait la même taille qu'une maison, donc j'avais pas besoin de casser la route. C'est bon, t'es relié, toi. Puisse Allah vous bénir. Il doit être trop loin pour. Bah non, il est dans le rayon. Ah, mais j'avais cassé ce bout de route là. Bon. Ok. Citoyens, vous avez vos épices et vos vêtements. Très bien. On va refaire une vague de montée en citoyens. Comme ça, ils paieront plus d'impôts. Je suis passé à plus 1100 seulement. Les routes sont pas assez. Hop, on modernise. Comme ça, ils se plaindront pas que c'est trop lent. Trop de pain, parce qu'on a le max de pain, d'accord. J'ai fait le deuxième truc, ouais. Alors, on va vendre le pain en trop et la farine en trop. Le blé en trop et la farine en trop. Le reste, on conserve pour point de cuir. C'est les cochons qui manquent. Très bien, les cochons, ça se refait fastoche. Là, c'est du rayon déjà occupé. Réjouissez-vous de pouvoir témoigner ouvertement de l'admiration que vous me vouez. Ah, elle va demander pour maintenir le Je traité, je vous sens. accorde une audience. Normalement, il faut avoir 55 et j'ai 53.
Voilà, on aura plus de cochons. J'espère que ça suffira. Allez collecter le blé. Créer des champs. Ouais, mais j'ai déjà ce qu'il faut. Pas de soucis. Faut juste que ce monsieur se dépêche. Ah non, je dois être à plein en blé. C'est pour ça que j'ai trop de blé pour l'instant. Bon. Je ne peux et ne veux plus supporter ceci. Ah. J'aurais lutté longtemps pour garder mon traité de commerce. Un jour où il s'en va. Le charpentier doit être allé monter les maisons des gens. Il n'y a pas de taverne de ce côté-là. Il vaut mieux que j'améliore de ce côté-là, ils ont une Ma taverne. femme dit que vous mériteriez d'être canonisé. Ou au Donc moins là je les béatifié. monte manuellement parce que ça me permet de les monter du côté de la taverne en fait. C'est surtout ça. Et en plus, si je conserve mon idée de faire l'église là, par là ce sera un peu trop loin. Là ils sont encore sous taverne, ouais. Taverne doit avoir un grand rayon, ouais, jusque là. Alors, c'est un bateau à elle. Ils sont presque noirs, donc on dirait des bateaux pirates, mais c'est des bateaux à elle. Ça donne quoi l'invasion? Ils ont signé la paix avant le. Oh, les nuls. Ils ont signé la paix avant la fin. N'est-il pas merveilleux, mon navire? Du coup, je me demande si moi je vais pas l'envahir. Sachant que mon but c'est que les joueurs meurent, hein, pas juste qu'ils soient très embêtés ou je sais pas quoi. Donc, si jamais les IA pouvaient se tuer les unes les autres, faudrait qu'ils fassent faillite pour moi. Est-ce qu'il y a un donjon? On dirait pas. Nous avons Salut! pu appréhender cette crapule. Ça Des va? émissaires se sont installés dans la colonie orientale d'un autre joueur. Ouais. Alors on va prendre notre bateau Serez-vous assez chouette. discret pour mener à bien cette tâche? On va aller par là. Alors, sauvetage. Là-bas. Je comprends pas vraiment comment pourquoi les IA font des méga champs Ne quand elles se vous lancent. attirez pas d'ennui. Un sbire ennemi sème le trouble dans votre colonie. Ah, ils enchaînent. Alors, si on pouvait éviter d'avoir une autre révolte. Alors, pour lancer une révolte, il faut qu'il soit dans une maison de patricien. J'ai sciemment pas monté ces maisons pour potentiellement les détruire et mettre autre chose à la place. Quelqu'un a incité votre population à se Ah! révolter. La mince. Ah! Le Je peux joueur plus s'est établi l'attraper. sur de nouvelles terres. D'accord, c'est une vierge, ça me gêne pas. On a plein de citoyens, il faut qu'ils emménagent. Potentiellement qu'ils évoluent. Est-ce qu'on a suffisamment de bière et de pain pour ça? Relativement bien. Et les pourpoints, ça va aussi. Ouais, donc on va faire évoluer les citoyens.
Il tourne le truc à arme? Ouais, bah alors je comprends pas. Mais il tournait pas à l'instant. Deux ateliers d'outilleurs et le truc à armes tourne. Ah, parce que j'ai fait deux mines de minerais, c'est vrai. Ainsi, t'as cessé de Alors on produire, pourrait faire un autre marchand. truc à armes. Comme ça, on aura une méga production à Voici les l'occasion. plans de construction que je peux vous fournir pour l'instant. C'est où? C'est là. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de votre. Je sais plus ce que c'était la quête. Ah bah il y avait une route là. Une île a été Il me faut quoi colonisée pour le par un donjon? autre joueur. Palais du Un de vos verre, navires des est attaqué armes. par les corsaires. Alors, rébellion, c'est parti. Il en reste. Mon blason sur les voiles du navire. Oh, ravissant. Un autre petit navire pour me soutenir. Ça. Ah, je sais ce que je peux faire. Vite, vite, vite. Oh, me voilà sauvé. Comme quoi, c'est bien d'avoir des ressources en trop qui peuvent servir à l'occasion. On produit trop de potasse, mais bon, je vais pas couper la production de potasse non plus. Les opportunités de construction de bâtiments ont été Eh bah chouette. Il manque quelques citoyens quand même. Alors, ça se construit forcément sur l'eau. Il faudrait que je la mette là. Ou alors. Alors c'est ça que je La sais pas si je peux production faire. a été interrompue. Une papeterie qui nécessite du bois. Je la mets là parce que c'est là qu'on a l'indigo en fait. Un peu de la pierre. Et on fait ça. Je pense que c'est le bon plan. Mais alors il me faudra peut-être plus de bûcherons. Et il faut un navire qui transporte de la pierre. Ah mince, il y a un truc Ça qui me lui prend plaît. de la place. Alors qu'il en a besoin. Hop, on est parti. Qu'est-ce qui me manquait pour le donjon? La production a Il été manque le verre en interrompue. fait. Il y avait un bateau qui avait de la place de prise, du coup il a pas transporté le verre. Et j'ai 26 de verre en revanche. Ah, les ressources affluent. Je me dis que je peux encore monter mes paysans. Il va y encore y avoir des révoltes, mais on s'en fiche. Il leur faudrait juste une taverne de ce côté-là, en fait. J'ai une taverne là, qui a une influence jusqu'à la place du marché, grosso modo. Là, je loupe certains bonshommes, mais franchement, on couvre bien là. On couvre jusqu'au port, là où il y aura les dernières maisons. On va garder cette place pour la taverne. Toi, tu fais quoi? Ah, tu poursuivais un bateau pirate que t'as soit perdu de vue, soit quitté.
Laissez-moi vous aider. Je l'ai mis juste hors des zones. Hein. Quelles manières abjectes! J'aime ça! Ah ouais, il m'achète et il paye cher lui. C'est bien. Pour moi en tout cas. Alors si je vous fais la taverne, vous serez content. Hop! Elle est faite. Les citoyens peuvent être contents de ce côté-là aussi. Je sais pas si l'église couvre jusqu'à la montagne. Oui, bien. Sauf cette maison-là. Je me dis que peut-être j'utiliserai la case carrière, le gisement de pierre, donc je laisse une maison potentiellement destructible. Maison en paysan. Je laisse des maisons de paysans dans les coins où je pense que je vais pouvoir détruire la maison bientôt, en fait. La foule est sur le point d'incendier votre colonie. Bah ouais. C'est le principe. Principe de la révolte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je serais heureux de vous aider. Ils ont arrêté d'emménager eux. Paye beaucoup. Bien. J'ai débloqué l'église. Ah non, c'est la. Ah si, j'ai débloqué l'église. Mais après, il me faudra la prison des débiteurs. Ah oui, c'est ça. On mettra les deux là. Je sais pas si j'aurai la place, j'espère. Ma femme dit que vous mériteriez d'être canonisé. Ou au moins béatifié. Dites merci à votre femme. Merci de ma part. Quatre d'épices, 33 de vêtements. Une transaction fructueuse. J'hésite à faire un truc de vêtements en plus. Vêtements. On a déjà plein de chambres qui arrivent. Ah bah non, il était relié là. Bon. Tant pis. Un sbire ennemi sème le trouble dans votre colonie. Salut. Vous avez pu appréhender cette crapule juste. Dans ma ville, avec peu de. Vous entendrez parler de moi. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a peu d'épices en fait. Hop là. Bon, avant j'avais des villes moins productrices parce que je faisais moins de maisons tout simplement. Maintenant que j'y vais à fond. Ça rapporte beaucoup plus. 1800, j'avais jamais atteint ça encore dans les ressources. Pourtant, j'avais déjà atteint les 5000 de taxes. Mais je dépensais déjà beaucoup. Peut-être que c'est plus rentable de payer les IA pour qu'elles me laissent en paix. Du moins au début, en tout cas. J'étais à 1000 lieues de. Vous êtes vraiment doué. Ah, je suis doué, merci, merci. C'était juste une. Si vous utilisez votre ruse, vous viendrez à bout. Ah ouais, de fallait cette que je trouve mission. Un type. Enfin. Trouver un jongleur. Bon, on va aller chercher le jongleur. Dieu me garde de vous surcharger d'impôts. Ah oh, mais c'est pas moi qui paye les impôts. Le conseil est là. Vous avez trouvé la personne. Le conseil des 10 vous remercie. Que du bonheur. Pendant que vous êtes là, vous voulez pas attraper le truc d'impôt? Mince, il manque une route. Non, il manque pas de route. Il manque que le bateau va pas assez vite. Que les charriettes vont. Les charriettes. Les charrettes vont pas assez vite. Pourtant les routes. Hop. Disons un peu de notre verre. Faudrait que j'ai beaucoup de pierres maintenant. A cessé de produire des marchandises. Ah
Ah non, ça je veux pas détruire. Pour continuer à faire ces bateaux-là. Oh, il je a chopé un grand navire de commerce. Un navire prestigieux est important pour une dame de rang. Je vois plus de patriciens. Je me demande si même ces patriciens se sont pas plaints et ont quitté la ville. Nom de Dieu, qui êtes-vous? Un nom de Dieu, qui êtes-vous? Un gars, où est le souci? Oh, on est presque à 2000 de taxes, enfin de bénéfices. C'est bon, on va pouvoir construire des armées sans que ça me coûte grand chose. Salam alaikum, c'est un honneur. Ça c'est un bon navire de guerre, on est d'accord. Ça, c'est un navire. Alors c'est lui que je voulais envoyer. C'est lui. C'est un navire qui vient chercher le jongleur. Tout le monde y trouve son compte. Trop de sel, toujours. Pourtant, j'ai la, les le tanneur qui suit. Alors, de ce côté-là. Papeterie 1. Ah, il faut du verre. Mince. Allons chercher du verre. Et on va faire des bûcherons. Est-ce qu'on fait non, un seul bûcheron? Nul ne peut salir le nom de Dimercante et s'en tirer à bon compte. Ce qui provoque une juste transaction. Faut pas les suivre dans les ports, il n'y a pas d'option pour les bateaux Allah malheureusement. Vous bénir pour votre bonté à l'égard de mon peuple. Voilà, cool le sang que j'ai à m'en occuper. Ah, il a un petit navire de guerre. Allons, allons, allons. Le plus important, c'est le petit navire de commerce. Il y a beaucoup de trafic dans le nord. Ils font vous tous le détour par au-dessus. Le résultat parle. La quête s'appelait Sans Humour. Vous êtes toujours en vie? Petit rouage marchand. Ouais, je suis toujours en vie. Mais mes petits bateaux me suffisent. Je pourrais acheter le champ qu'il y a derrière ma maison, au lieu de louer. Allez, adieu le grand rouage marchand. Grand navire de commerce. Qu'il a fabriqué où d'ailleurs? Là, d'accord. Une transaction équitable. On va continuer à l'embêter sur les cordes. Pour qu'il conserve son retard. Voilà, on va peut-être laisser les paysans après. Je sais pas si j'aurai toutes les ressources pour tous ces citoyens par contre. Hop, paysans, repassez en calme. Citoyens, vous êtes heureux et vous allez monter à 2000, d'accord. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode.